Armand, le contrat sera caduc. Je veux mon tacos. Wouh, hey, what's up? Toujours des intros bizarres, on s'en bat les couilles, bref. Kinstar, chaise gaming, casque, Kinstar, parfum. Et ça va trop loin ce délire. Bref les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur Kaaris et Booba. Encore une fois polémique rap. Avant de commencer la vidéo, je te laisse mettre ton petit pouce bleu, ton petit pouce en l'air. Voilà, tu le mets, c'est gratuit, tu cliques, bam, ça fait un bruit. Non je rigole, ça fait pas de bruit, t'inquiète, y'a pas de... y'a pas rien. Oublie pas de me rejoindre sur Snapchat et Instagram. Bref, c'est parti, let's go. Alors aujourd'hui on a des infos croustillantes. Comme le pain, les croissants, tout ça. Non, les croissants, c'est pas croustillant, je dis des conneries là. Alors aujourd'hui, les potes, on va parler du conflit Kaaris Booba. Encore une fois, cette fois-ci, j'ai pas dit le complot. Ça va, ça, y a des arrangements, des ajustements à faire dans mon... Ouais. Du coup, on va encore une fois parler de la polémique Kaaris Booba. Parce que les gars, ça prend une ampleur là en ce moment. C'est... je tremble, j'ai Parkinson. Le soleil, bref. Alors qu'est-ce qui se passe, Adam? Tell us the news. So, I'm gonna tell you the news. Ouais, j'ai dit the news. Critique pas mon accent anglais, d'accord? T'es pas mieux, d'accord? Tu t'arrêtes et tu mets un pouce bleu. Eh, le pire gratteur de likes, c'est un truc de malade, bref. Alors qu'est-ce qui se passe entre Kaaris et Booba? Il y a Kaaris, il y a pas longtemps, hier, ouais, c'était il y a pas longtemps. Et en ce moment, je suis fatigué, c'est un truc de fou. Putain, j'ai pas de cernes, j'ai pas de... maquillage, mascara, je sais pas quoi, bref. Alors Kaaris, il a posté une vidéo sur son Instagram où il parlait du contrat de merde que Booba lui avait envoyé. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est bien ça en fait. Booba, ce qu'il a essayé de faire, c'est de le douiller. Voilà, il lui a proposé 300 000 euros, alors qu'il y avait beaucoup plus à se faire. Voilà, il y avait beaucoup plus à se faire, frère. Ah, comme il a dit dans la vidéo, rajoute un zéro, frère. T'inquiète, moi, je vais rajouter un zéro. Faire un petit caca au calme. Et du coup, voilà, il était vraiment vénère de ouf dans la vidéo. Eh, trou du cul. J'ai eu confirmation par des professionnels du milieu que ton chiffon t'essaie de faire passer pour un contrat, c'est une grosse mascarade, une grosse merde. Écoute-moi bien. Ce combat, je vais le faire et on va le faire. T'as compris ou pas? Je viens de recevoir un contrat sérieux par des promoteurs sérieux et c'est mon avocat qui est en train d'étudier. Je vais le signer et c'est bien ce que je pensais. Ça parle en millions d'euros. Ça parle d'une bourse minimum d'1 million d'euros par personne. Je vais le signer et tu vas le recevoir chez ton patron à Capitole incessamment sous peu. Et tu vas le signer et tu vas voir ce que je vais te faire. Tu voulais te battre pour 300K, tu vas te battre pour 1 million. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vas voir ce que je vais te faire. Maintenant, c'est sérieux, je vais aller m'entraîner et tu vas voir ce que je vais te faire. Il a son avocat qui est en train de travailler sur le contrat en ce moment pour négocier des trucs, etc. Ouais, je... c'était bizarre ce que j'ai. Kinstar. Kinstar, c'est mon maître de karaté et m'a tout appris, laisse tomber, frère. Tu connais la morsure du dragon? Vaut mieux pas que je te la montre. Ah frère, c'est violent. Mais bref, du coup, comme je vous l'ai dit, l'avocat de Kaaris qui est en train de travailler sur le contrat, etc., etc. Et comme il a dit dans la vidéo, ça parle de millions. Donc frère, quand ça parle de millions, My Million de Paco Rabanne. Mais du coup voilà, il a dit dans la vidéo, ouais j'ai pas peur, le combat je vais le faire, je serai là frère. Et ça se voit qu'il est vraiment chaud de ouf pour le combat. Par contre il y a un truc que j'ai pas compris, c'est il attend de signer le contrat pour s'entraîner. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, oui mais Adam, peut-être que s'il s'entraîne avant et qu'il n'y a pas de combat, il s'entraîne pour rien. Toi tu veux que je casse, tu veux que... Je t'ai la chaise sur ta mère. Mais bref voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé dernièrement concernant le conflit. Ah ouais, il y a aussi Booba qui a... il a posé une vidéo. Et il a dit, Armand, oublie pas de mettre sur le contrat, je veux un tacos pain pita avec un supplément merguez, salade sauce tomate oignon. Et si tu le mets pas sur le contrat sera caduc. Tu sais, j'arrive le chambre sur ce qu'il avait dit. Tu sais, si tu mets pas Armand au Kunyaguri, le contrat sera caduc. Même le mot, il est bizarre, frère, caduc. On dirait, tu sais, une vieille insulte de... Tu sais, les blédards, là, les blédards africains. Eh, caduc. Tu sais, ça fait ça, genre, tu vois. Mais bref, voilà, c'est tout pour les news d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu mets ton petit pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne si tu kiffes le délire. Et moi, les petits potes, je vous dis à la prochaine. Peace out et kiffez la vie. Kinstar, coup de coude, épaule de porc. Eh, ce délire, ça va partir trop loin. Peace out, les gars.